Yo les gens, ici Rapid1650, on se retrouve pour le 36e épisode sur F1 22, donc c'est parti. Me and my team toujours ensemble, donc on se retrouve pour la séance de qualification du Grand Prix des États-Unis à Austin. Donc on y va, on va faire cette petite séance de qualification ensemble en espérant que ça se passe bien. Donc j'ai encore besoin de vous, ça fait plusieurs fois que je fais la demande dans mes vidéos, mais j'ai aucune réponse. Donc vous me direz ce que vous pensez du son du micro, j'ai rebaissé un peu le son pour que la voix ça aille pas trop forte. Donc voilà, parce qu'en fait, par rapport à mes oreillettes que j'avais avant, j'ai été obligé de mettre le son fort pour qu'on entende bien. Mais là, avec le casque que j'ai acheté, donc c'est un casque gaming, on va dire, hein. Un micro-casque avec les grosses oreillettes, voilà, comme avec les grosses. C'est un casque gaming, un peu comme mon casque que j'avais, mon Corsair, que j'ai mon Corsair. Mais là, c'est pour la PlayStation, donc puis il se branche sur la manette directement. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Donc on va faire prendre la piste, oui. Et on va y aller. Départ pour les séances de qualification. Donc on va faire deux tours dans cette séance. On va bien voir ce qu'on peut faire comme temps. Oh le. Oh le soleil, c'est vraiment bien, je trouve. C'était stylé, je trouve le. Donc par contre, le son est moins fort, je trouve, dans mes oreilles que mes oreillettes. Donc n'oubliez pas réagir, hein. Moi franchement. Moi je pose la question à ma communauté pour savoir pour avoir le bon réglage optimal par rapport au son de ma voix, que la voix ne soit pas trop forte, parce que je sais que quand j'ai fait mes vidéos sur FIFA, bah, la voix était un peu forte. En fait, quand je marque des buts, bah, je gueule et du coup ça fait grosse voix, quoi. Donc je bouge un petit peu mon micro pour que ça ne pas trop près de ma bouche non plus. Bon, déjà on n'a pas très bien là. Pas très bien parti. Voilà. Wawa. Le con. J'ai fait des conneries là. Pourtant, en séance d'essai, ça se passe très bien. J'ai aimé le meilleur temps. Mais bon, ils sont en pneus rouges là, ils vont aller plus vite, hein. Ah, le soleil qui est éblouissant, c'est vraiment stylé, je trouve. Le soleil est vraiment éblouissant. Je sais pas si ça se verra bien dans la vidéo, mais le soleil est vraiment bas pour cette course, pour cette qualification. Ah, c'est Leclerc qui a N39. Ah, puis Pérez, il va me gêner, c'est chiant. C'est de le doubler. Non, je vais pas pouvoir. Ou le décroiser, peut-être. Voilà, c'est bon. Oh, j'ai un peu coupé le virage là. Elle a accéléré, il me baisse la gueule. Excusez-moi. Des mots. Ah, c'est bon, on l'a vu. Une 39 pour Leclerc. Et nous, on va faire combien? Une 30. Une 36, nickel. On a le meilleur temps. On a fait un bon temps là, franchement. Malgré que c'était pas terrible. C'est de faire un meilleur temps là si c'est possible. En plus, il n'y a plus personne devant moi. Donc personne ne va me gêner. Oh putain, mon virage. Ces virages-là, je déteste. Ah, ces virages-là, j'arrive pas à bien les prendre à chaque fois. Ah, je sais pas. Le virage en S là, en double S là. Il est horrible. Franchement, pour moi, c'est. Il ne reste plus qu'un seul tour de carrière. Vraiment une épreuve, quoi. Donc on a été titré champion du monde à la course précédente, donc là on est champion du monde d'office. Donc après, peu importe les résultats, on a gagné le championnat. Faut que je regarde à combien de points on a gagné par rapport à. En fin de saison, on regardera par rapport à la saison dernière. Que je regarde combien j'avais gagné de points. Mais je crois que j'ai gagné plus de Grands Prix cette année que l'année dernière. Sur le F1, cette année, j'ai trouvé plus facile et pareil, on n'a pas les. On n'a pas les pénalités, en fait, l'année dernière, on avait les pénalités de. En fait, il faut les rechoisir des. En cours de saison, refaire les styles d'entraînement, je ne sais pas les entraînements, mais les pièces mécaniques, les reconfirmer. Donc là, cette année, il n'y a pas eu besoin, donc je pense que c'est pour ça. Voilà, franchement, au niveau tour, je suis pas terrible. Hein. J'ai pas fait un bon tour. Hein. Donc je rentre au stand, on va bien voir ce qu'il en est. Hop, retour au garage.
pour que la vidéo dure pas trop longtemps non plus, hein, que ça dure une heure pour une vidéo de qualification. Donc on va faire Obsession, on va se mettre sur le temps, donc on est à 1 seconde 33, 1 seconde 384, je vais avancer le temps, voir ce qu'il en est. Bon, je pense que là, normalement, le temps, on l'a, hein, d'office, on l'a. Je pense qu'on l'a, normalement... Pourquoi le soleil est super bas, je trouve. Donc, 26 degrés sur la piste et 18 degrés dans l'air. Là, ça n'a même pas évolué en plus les temps, c'est bizarre. Norris, il va pas être deuxième quand même. Norris va être deuxième avec sa McLaren, non? Ah, j'aurais pu mettre plus rapide, merde, le con. Ah, Charles Leclerc, je crois. Charles Leclerc est deuxième, je crois. Ah bah tiens, j'ai eu un petit truc là. Petit bonus. Voilà, franchement, moi je le fais plus le Battle Pass, ça m'énerve. J'ai pas le temps de le faire. Tout est prêt pour la course de demain, mais avant de commencer, regardons rapidement qui sont les... Donc voilà, c'est ça. Donc moi premier, Charles Leclerc est deuxième, et Carlos Sainz est deuxième, et troisième. Par contre, Verstappen est super loin, et Hamilton est huitième. Waouh, franchement pas terrible. Donc voilà, c'est nos vidéos terminées, j'espère qu'elles vous aura plu, on se retrouve demain pour le Grand Prix, n'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos, bye bye, portez bien, peace.